Salut! Alors, on va essayer de faire une toile aujourd'hui, suivant l'inspiration. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je fais des mélanges. Je fais des mélanges. Je pense que... Je sais pas. On verra. On verra, verra. Tiens, j'ai foutu du verre. Ou la couillonne. Ah! Imbécile. Eh ben, il y aura un peu de verre. Voilà. S'en fout. Hein. On s'en fout. Alors, si je faisais un cul de bouteille, un cul de... Tiens, je vais essayer ce cul de bouteille-là. J'avais jamais essayé. Ça me paraît profond. Non, non, on va prendre un cul de bouteille comme ça. Ah ben voilà. Je sais ce que je vais faire. Ça y est. Alors, du violet. Du bleu foncé. Du bleu clair. Il n'y en a plus beaucoup. Ouais, il en aura assez. Du vert. Hop, hop, hop. Le vert, il est vraiment bizarre. Je sais pas ce que j'ai fait comme mélange. Là, j'ai foiré mon mélange de vert, hein, ça c'est sûr. Vert, jaune. Jaune comme le soleil qui est pas là. Et qu'on est au mois de mai et qui commence à nous faire suer. Là, on l'attend toute avec impatience, je suppose. Du jaune, du orange. Et mon truc qui va de traviole. Ah! Et du rouge. J'ai pas assez enfoncé mes machins là. Et donc j'ai mon truc qui se barre. Pas vrai ça. Allez, on y va. Donc là, elle est bien partie. Bon, là, on va la faire partir par là. Alors on tourne. Alors on tourne. J'ai pas mis assez de violet. Allez, descends. Doucement, descends doucement. J'ai mon violet, on ne voit pas beaucoup, hein. C'est pas sympa, ça. Ce petit chemin qui sent la noisette. J'aimerais bien qu'il pousse un peu par là, mais tout en gardant le milieu. Et voilà. Bon, on va lui mettre un coup de pchit. J'ai pas fini, hein. On va lui mettre un coup de pchit. Mais avant ça, on prend un pic à brochette. Et on va lui faire des petites formes, on essuie, on reprend, on essuie,
On reprend. On essuie. On reprend. On emmène tout vers le centre. Hop. Hop. On essuie bien parce que là, bah, j'ai pas bien essuyé. Et puis voilà maintenant. Hop. En fait, je voulais faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, les couleurs de l'arc-en-ciel, ben, c'est du violet, du bleu foncé, du bleu clair, du vert, du jaune. Je l'ai cassé, poil au nez. Le cassé. Qu'est-ce que j'en étais où? Du jaune, de l'orange et du rouge. Et ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel et toute la flotte qu'on a. Pourquoi je ne l'ai pas pris du haut là? Et voilà. On suit. Et voilà. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit coup de chauffe à celui-ci? Allez. Il n'aura pas beaucoup de bulles, lui. Il n'aura pas beaucoup de bulles. Je commence à les s'envahir là, c'est une cata, faut que je rentre. Allez, un petit coup de briquet. Si moi j'ai pas de chalumeau, faut que j'investisse dans un chalumeau. Mais bon, on va y aller mollo, hein, parce que les toiles, la peinture, machin, ça coûte quand même. Alors. Non, faut que j'investisse, ça c'est de la cagade. Ça chauffe rien du tout. Je vais prendre feu avec ça, c'est tout. Bon ben voilà, voilà ma fleur. Bon et voilà. Ma fleur avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, je sais pas. Vous en pensez quoi? Ben vous me direz. Ben ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et ben si vous en faites, montrez-moi, hein. Montrez-nous, montrez-nous. Montrez-nous vos réalisations. Voilà. Allez, ciao!